Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau Disney Infinity du jour. Alors Disney Infinity du jour, l'émission qui parle des figurines et aussi du jeu Disney Infinity, sinon ça s'appellera autrement tout simplement. Il y a quelques jours, en fait avant-hier pour être précis, je me suis rendu à Paris à l'event Disney Infinity, ou événement français, hein, ça dépend comment on dit, pour voir ce qu'il y avait, parce que c'est vrai que la dernière fois à l'event de Nintendo, il y avait le jeu qui était présenté, mais seulement avec le mode Toy Box, donc le mode création. Il y avait surtout le mode aventure qui était jouable, parce que c'est vrai que beaucoup de monde depuis la dernière vidéo m'ont demandé mais quid du mode aventure. Alors on va revenir sur ce mode aventure. Il y avait Lone Ranger, il y avait les Indestructibles, il y avait Cars, il y avait les Pirates des Caraïbes et il y avait Monstre Université. Donc voilà, ça fait 5. On va faire un petit compte rendu sur toutes ces petites choses. Et voilà, mais après, parce que là tout de suite, j'ai pu prendre des images de, comment ça s'appelle, des figurines, parce qu'il y en avait plein, il y en avait partout, d'ailleurs j'en ai ramené une. Tata, c'est Barbossa, et oui, c'est pas sorti, je l'ai, et oui, vous pouvez avoir la rage, et pour l'instant je l'ouvre pas, je l'ouvrirai dans un Disney Infinity du jour, et au moins, on aura une superbe figurine pour tester tout de suite le jeu. Il y avait en fait les boîtes de rangement, alors ça c'est super sympa puisqu'en fait on range le portail sur un étage et en dessous on peut ranger des figurines pour que ça soit propre quand on joue. Il y avait aussi un range disque, puisque c'est des power disques qu'on met dedans, un range disque rigide, hein, c'était costaud. Ça c'est pas mal pour quand on veut se balader, aller chez un pote avec ses propres disques, etc. Ou mettre ses doubles pour les échanger par exemple. Et il y avait aussi un magnifique collector. Alors un collector en fait c'est une sorte de livre où dedans, c'est entre le livre et le classeur, et dedans en fait il y a des emplacements pour mettre les power disques. Donc comme ça pour ceux qui collectionnent, ça c'est un bon point pour Disney Infinity, c'est qu'ils pensent aux collectionneurs et pas seulement aux enfants. Skylander est un plus enfantin dans ce sens là, ils n'ont pas l'impression de s'adresser aussi à un public qui peut collectionner par exemple. Donc voilà, ça c'était cool, donc des power disques en pagaille, il y en avait plein, donc là on peut voir qu'il y a des rares. Les rares en fait c'est des holographiques, et ils sont animés, donc ils ont une bordure orange, ils sont animés, donc il y avait Dumbo, il y avait, comment il s'appelle, Buzz la buse. Pour en revenir au mode aventure, donc on va les faire un par un, tout simplement, hein. Donc on va commencer par le premier que j'ai essayé, qui était un peu mou du genou, c'est le pack aventure Lone Ranger. Alors dans ce pack en fait il y a un trophée, le trophée transparent. En fait c'est le trophée qu'on met au milieu du portail et c'est lui qui va déterminer le pack aventure. Donc il y a Cars, il y a Pirates des Caraïbes, il y a Lone Ranger, donc là on va parler de Lone Ranger plus précisément. Donc était jouable Tonto, donc l'Indien incarné par Johnny Depp dans le film. Voilà, alors c'est une espèce de western, ça ressemble beaucoup pour le coup au jeu Toy Story 3. Donc on incarnait Tonto et il se trouve que dans la ville, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de trame scénaristique comme on pourrait voir dans un jeu. C'est en fait on est dans l'univers et faut remplir des missions. Donc là fallait aller chercher un cheval, faire des courses de chevaux, des choses, c'est pas très. Je vais pas dire ennuyeux mais c'est un peu mou, voilà, un peu mou du genou. Alors ça m'a laissé une impression un peu bizarre parce que l'univers du cow-boy et tout ça c'est pas mal, mais là le côté faudrait peut-être commencer au début pour comprendre ce qui se passe. Là c'est vrai qu'on prend une partie en cours. C'est pas le mieux. Alors ce qui est dommage c'est qu'en plus c'est un pack aventure où il y a que deux figurines et donc c'est dommage qu'elles sont plutôt jolies en plus. Bon après on peut la mettre dans la toy box etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les actions qu'on fait dans le mode aventure permet de débloquer des objets pour le mode création. Voilà. Donc si vous voulez tout un arsenal de western, et ben voilà, vous faites à fond le pack aventure de Lone Ranger par exemple, et après ben, vous pouvez jouer dans le mode toy box. Ensuite était disponible le monde des indestructibles. Alors lui c'est celui qui a le plus de figurines, donc on a pu voir pas mal de choses. Alors il est bien plus dynamique, que Lone Ranger. On est vraiment dans du beat'em all pur et dur en 3D qui est super, super punchy, super péchu. Selon les personnes qu'on prend, et ben c'est pas les mêmes pouvoirs, donc là les figurines prennent tout leur intérêt puisque en plus même si on joue à deux on peut profiter des pouvoirs de l'autre. Donc beaucoup plus axé sur l'action, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, je vais pas dire jouable, mais beaucoup plus fun.
Ensuite, il y avait, Monstre Université. Alors là, c'est assez spécial, Monstre Université, puisque on est dans une université, il faut faire des farces, il faut faire peur aux gens. Donc on est plus sur un principe d'infiltration, en fait. C'est un peu un jeu d'infiltration fun, quoi. Metal Gear des enfants. Donc des fois, il faut passer derrière les gens comme ça, et crier pour gagner de l'énergie, casser les objets de l'équipe adverse. Voilà, donc encore une fois, c'est pas l'histoire qui est prise en compte, mais vraiment l'univers. Alors les Pirates des Caraïbes, lui, il est basé sur l'exploration, comme on peut s'en douter. Il est un peu moins action que les Indestructibles, mais il est vraiment plus dans l'exploration, c'est-à-dire que les zones sont déjà plus vastes. Il y a beaucoup plus de temps où il faut chercher des choses, il y a l'ambiance des Pirates des Caraïbes qui est là. C'est très sympa. Franchement, c'est, je pense, un des meilleurs packs aventures, les Pirates des Caraïbes. Et il sera aussi donné avec les Indestructibles et Monstres et Compagnie, enfin Monstres Université. Ça m'a fait un peu penser au Lego Pirates des Caraïbes pour ceux qui ont joué, mais où vraiment on pouvait aller partout. Parce qu'en fait, Lego Pirates des Caraïbes, c'est en 3D précalculé, alors que là c'est en full 3D et on va où on veut, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Et mon préféré, c'était le dernier, c'était Cars. Cars avec Flash McQueen, il y avait Martin et Holly Shiftwell. Je sais même plus comment elle s'appelle en français, je suis désolé. Donc, alors franchement, c'est un espèce de je vais pas dire un GTA avec, mais pour les plus anciens, c'est comme Driver, en fait. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en voiture et faut remplir des missions en voiture. Et là, ce qui est cool, c'est que la voiture, elle peut sauter. Donc, on est dans Radiator Spring, on fait ce qu'on veut, etc. Donc, beaucoup de choses à base de courses, à base de fret, c'est-à-dire qu'on doit porter des voitures et les emmener autre part, on doit faire peur aux tracteurs, donc voilà, on est vraiment en terrain inconnu pour cette fois-ci. C'est ça qui est cool, en fait, avec le mode aventure de Disney Infinity, c'est qu'en fait, à chaque pack, on a quasiment un style de jeu différent. Donc l'exploration, la course, le beat'em all, l'infiltration, etc. Et c'est vraiment bien pensé. Après, on nous promet 6 heures de par pack. Vu que c'est un jeu à mission, j'ai bien peur qu'en fait c'est moins de 6 heures, parce qu'on fait rarement toutes les missions à fond. Là, j'ai un peu peur que vous, les parents, si des parents me regardent, il va falloir faire attention à ce qu'aime votre enfant. Par exemple, si vous offrez les Pirates des Caraïbes et que la personne est plus dans l'action, c'est pas... Voilà. Il va falloir faire attention à ça, je pense, parce que c'est tout, hein. Donc voilà la version bêta du Disney Infinity du jour. Donc c'était super sympa, je vous ai ramené des images, j'espère que ça vous a plu. Donc normalement il devrait y avoir une autre version, Gamma, Epsilon, Zeta, je sais pas, jusqu'à la sortie du jeu où on pourra faire la version normale des Disney Infinity du jour. Des Disney Infinity du jour, si je commence à me... Ça va pas aller, il y a des gens qui vont pas être contents. Donc voilà, allez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas de partager, d'aimer, de pouce vériser, parce que c'est comme ça que ça marche aussi le business. Et ouais, on dit jamais assez. Allez, je vous remercie, à bientôt.